Bonjour les amis, aujourd'hui un petit tuto sur la pollinisation des melons. Donc c'est un peu plus compliqué que les courgettes hein, parce que les fleurs sont beaucoup plus petites. Donc pour polliniser un melon, déjà il faut avoir comme pour toute cucurbitacée une fleur mâle qui est comme sur cette photo. Vous voyez bien, il y a une tige sous la fleur et la fleur femelle qui a déjà le petit melon comme sur la photo sous la fleur. Donc quand vous avez les deux fleurs, c'est que vous pouvez avoir des melons. Encore faut-il que les insectes aillent polliniser. Donc si jamais vous voulez vous assurer un peu plus de la pollinisation, vous pouvez le faire manuellement. Ou si ça en sert, vous pouvez essayer manuellement aussi. Donc il suffit de cueillir une fleur mâle ouverte. Parce que là, comme c'est des petites fleurs, on ne peut vraiment pas faire au compte-tige comme pour la courgette. Donc on cueille une fleur mâle, là il y en a une, c'est pas évident parce que comme c'est petit c'est un peu galère. Je vois que là j'ai eu de la chance, j'ai un insecte qui est en train d'aller dans la fleur femelle et elle vient d'aller juste avant dans la fleur mâle. Mais bon, pour le tuto je vais vous montrer quand même. Donc j'ai cueilli ma petite fleur mâle. Voilà. On va retirer les pétales. Voilà. Donc avec notre petite fleur mâle, on va enlever. Oh, zut. Évidemment, il ne va pas vouloir faire d'appoint. Voilà. Donc on va enlever doucement les pétales. Hop. Voilà. Donc on enlève les pétales pour libérer forcément le cœur de... Donc voilà, il nous reste le petit pistil de la fleur mâle. Donc ce petit pistil, c'est vraiment tout petit. On va aller chatouiller la fleur femelle avec. Voilà. On va dans la fleur femelle. Et on tripote. Voilà. Et avec un petit peu de chance, ça aura fonctionné. Donc bien sûr, c'est moins. On a moins de chances de réussite qu'avec les gros cucurbitacés. Hein, où là le pollen se dépose très bien sur le coton-tige et les fleurs sont très grosses. Mais bon, l'année dernière j'ai réussi à en faire comme ça. Donc j'espère que vous aussi vous y arriverez et que ce tutoriel vous aura été utile. Donc après, la seule façon de voir que ça a fonctionné, c'est que les melons grossissent. Donc j'avais déjà fait celui-ci. Mais là, il est encore trop tôt pour savoir si ça a marché. Puis on verra si les autres ont fonctionné. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Allez, bye bye !